Aujourd'hui, on accueille le monde entier, ici à Montréal, ici au Canada. Notre pays représente bien des choses à travers le monde. À chaque jour, on travaille fort pour être un exemple d'ouverture et de diversité. On a des athlètes et des artistes qui s'illustrent sur la scène internationale. On a des travailleurs et des scientifiques qui nous permettent d'innover et d'avancer. Mais surtout, quand on pense au Canada à travers le monde, on pense à nos paysages et à toute la richesse de notre nature. Le Canada, c'est l'Atlantique et la vallée du Saint-Laurent. Canada is the Rockies in the west with their magnificent snow-capped peaks. The Arctic in the north, vast and full of unexpected life. The ancient forests of British Columbia and the maple trees of Quebec, between which you find the living skies of the prairies. Nature is a part of who we are, and we're here today at COP15 to make sure it remains part of who we will be for generations to come. I don't have to tell any of you here this afternoon that nature is under threat. In fact, it's under attack. I've been speaking for just a few moments so far, but in these couple of moments, we've lost globally as much as 136 soccer fields worth of trees. And that's just one example. The job we're doing as a world just isn't good enough. It's as simple as that. Canada stepped up on just a few months' notice to have this Nature COP held here in Montreal so that together we find solutions. The clock is ticking, and we knew this conference couldn't wait until some other time. On est devant une crise de la biodiversité. C'est une crise qui est aussi réelle et dangereuse que la crise climatique. C'est un enjeu majeur qui ne peut pas être relégué au second plan, parce qu'on est tous liés à la nature. Nos villes ont besoin d'eau propre et nos fermes ont besoin d'abeilles. Les marais protègent nos communautés contre les inondations et des dizaines de milliers de milliards de dollars de l'économie mondiale dépendent de la nature. Il faut agir dès maintenant. Pour notre part, le Canada fait des progrès comme jamais auparavant dans son engagement à protéger 25 % de nos terres et 25 % de nos cours d'eau d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030. Et on n'a pas choisi ce 30 % au hasard. Selon les plus grands scientifiques, c'est le seuil critique pour, d'une part, éviter les risques d'extinction et aussi assurer notre sécurité, entre autres alimentaire et économique. Et 30 % c'est tout à fait faisable. Au Canada, on a fait passer la superficie de zones marines et côtières protégées de moins de 1 % en 2015 à plus de 14 % aujourd'hui. En même temps, on a aussi protégé des centaines de milliers de kilomètres carrés de territoire qui équivalent, pour vous donner une idée, à la taille de l'Italie. Et quand des grands pays comme le Canada se mobilisent, ça change vraiment les choses. As we make historic progress on our commitment to protect 30% of our land and waters by 2030 in Canada, we're also protecting iconic species, from the western bumblebee to orcas. And we're doing all this work in partnership with Indigenous peoples. You see, in some ways, Canada is a young country at only 155. But, of course, we recognize and embrace that Indigenous peoples have lived on and cared for these lands since time immemorial. All of our work on protecting nature must be reflective of Indigenous ways of knowing and being and in true partnership in order to advance our shared journey of reconciliation.
progress, protection, and partnership. That's what we're focused on delivering. And tomorrow I'll be talking about some of what's next for Canada. But we're gathered today because this isn't work we or any one country can do alone. The world's five biggest countries, Russia, Canada, and China, the two countries involved in hosting this meeting, the US and Brazil, represent over 50% of the world's forests. Canada has the world's longest coastline. Russia has the world's largest boreal forest. And the world's largest wetland, the Pantanal, is primarily in Brazil. That's a big responsibility for big countries. And progress is being made, no doubt. But of the world's five biggest countries, none of us is yet at 30% of both our land and waters protected. Now, we don't have to get all the way there by tomorrow, but by 2030, we all really do. By 2030, we must halt and reverse biodiversity loss. And a key part of doing that is protecting 30% of the world's land and waters. Every leader must be telling their negotiators to bring this ambition to the table as we reach a final framework here over the next 2 weeks. For our part, today I can share that in our role as host location, Canada is committing another $350 million in international biodiversity finance. C'est 350 millions de dollars en argent neuf qui seront investis dans le financement international pour la biodiversité s'ajoutent à la somme de plus de 1 milliard de dollars qu'on a déjà promise pour lutter contre les effets des changements climatiques sur la perte de la biodiversité. Le ministre Guilbeault va vous en dire plus là-dessus, mais l'essentiel, c'est qu'on continue d'agir à l'échelle internationale. Mes amis, on va tous travailler ensemble pendant le sommet et on doit atteindre des résultats. Nos citoyens comptent sur nous. Des citoyens comme Jean-Marc, qui m'a écrit par l'entremise de Nature Canada. Jean-Marc vit à quelques heures d'ici, à Gatineau. Il m'a dit qu'il compte sur nous pour être des leaders en matière de biodiversité, par exemple pour protéger les oiseaux, parce que ça lui tient à cœur. I also got a letter from a young woman, Maria, on Canada's west coast, who said that we need to act right now to protect our wilderness and ecosystems. Jean-Marc and Maria are right. Canada is welcoming you here because we expect action. We're challenging ourselves and we're challenging you. Now, there are lots of disagreements between governments. But if we can't agree as a world on something as fundamental as protecting nature, well, nothing else matters. Until we agree that we should stop species from going extinct, until we agree that our water should be clean and our air should be clean, until we agree that it matters that forests, grasslands, jungles endure, we cannot guarantee a future for our kids. C'est pas le temps de se demander si on devrait agir ou si on devrait être ambitieux. C'est le temps de dire comment on va le faire. On a une planète magnifique et remarquable et c'est le temps de se concentrer sur ce qu'on va accomplir ensemble pour assurer son avenir. Merci beaucoup tout le monde.